Retour sous les vivats pour le Premier ministre malien. Ce mardi, Tchogae Kokkala Mahiga a été accueilli en héros après son intervention à l'Assemblée générale de l'ONU. Un discours en règle contre la France qu'il a accusé d'abandon dans la lutte au Mali suite au redéploiement des forces Barkhane annoncé selon lui sans concertation. Des propos qui ont reçu le soutien de ses partisans du mouvement 5 juin, RFP. Pour lui apporter notre soutien concernant la lutte contre la corruption, l'injustice et aussi l'ingérence de nos problèmes par les États occidentaux. Les propos du Premier ministre ont suscité diverses réactions au niveau international, alors que des discussions sont en cours pour une collaboration avec les paramilitaires russes du groupe Wagner. Et nous, peuple malien, nous sommes derrière cette transition, nous sommes derrière nos gouvernements parce que c'est nous qui avons confié les destinées, en tout cas en ce moment, de notre pays à cette équipe choc sur qui nous comptons et nous sommes prêts à être leur bouclier partout où le besoin se fera sentir. C'est pas eux, c'est le peuple. Après un compte rendu avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, Tchogae Kokkala Mahiga a rappelé que le Mali tiendrait les engagements pris auprès de ses partenaires.